On va ouvrir. On va faire le tour de l'île Manji en passant donc par la rivière, le fleuve Ogoué, et on va descendre jusqu'à la passe d'Ozuri, et si tout va bien, on pourra la passer sans retourner le catamaran. Nous sommes 7, 3 enfants et un catamaran, et c'est parti. Voilà, on quitte la marina. C'est la saison des pluies, donc c'est un peu orageux et c'est sûr qu'on va avoir un peu de pluie. On va faire l'entrée de la rivière. C'est beaucoup de vent de sable. Donc on va essayer de suivre bien la trace. Pour rentrer dans la rivière, il y a beaucoup de vent de sable. Un remorqueur échoué, on attend dans la marée haute. Il essaie de sortir ou... Il essaie de sortir, la marée monte. Et là, il y a 1,6, 1,7, donc c'est un peu juste. 1,10 m. Bon, il nous reste encore 10 cm sur la quille. On est échoué. 80 cm de fond, on a mis le mouillage. À côté, une barque aussi qui est échoué. On a réussi à passer la passe, on est déjà ici. C'est cool. Il y a 2,50 m d'eau. Il commence à 5,5 m. Et maintenant, c'est toute la rivière qu'on va faire. Toute la rivière. Et après, on va aller à la passe des Ozuri, qui c'est à 20 nautiques ici. On avance tranquille dans la rivière. Les commandantes concentrées parce qu'il y a 2,6 m de fond. On est en train de passer la pavé de roue sur la terre. Là, il y a un problème. Et là, on passe. Là, on passe dans un endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup de fond. Ah, on se rapproche du pont et comme on n'a aucune donnée, on pense qu'on passe. On pense qu'on passe. On est presque sûr qu'on passe, mais on n'a rien qui nous permet d'étayer cette hypothèse. Qu'est-ce qu'on va passer? Qu'est-ce qu'on va passer? Va pas trop vite, hein? Oh merde! On a eu la chance! Bravo! On est passé! Il y a combien de fond? 5,50 m. Yes, allez. Et voilà, on a passé le pont. Cool. Il est là, le beau pont. Il est là. Ok, on mouille. On est où? Au gamin. Voilà, toujours le mouillage. L'équipage à l'intérieur. Le fleuve Ogoué à marée basse. Avec les bandes de sable qu'on a passé hier à côté. Les ponts chinois. Voici, et là, l'entrecôte du chou. Je n'explique pas le bilan carbone. Voilà, on déplace les bateaux. On rapproche les bateaux de la passe. Avec Bis, commandant Bis. Et demain, si les dieux de la mer sont avec nous. Non, on est bien là.
Ici, on est au fin du monde. La mer rencontre la rivière. Et là-bas, c'est la pointe. Après, il n'y a plus rien. Je crois qu'on va voir encore un beau coucher du soleil. Sur 3, on lève le mouillage. Voilà, les plans aujourd'hui, c'est passer la passe de souris. On est encore à l'intérieur, malgré ce que dit la carte. Oui, oui. Et remonter jusqu'au Cap Lopez. D'ici au Cap Lopez, il y a 26 nautiques à vol d'oiseau. Voilà les houlots de la passe. Ça va faire ici, ça va faire les pas plus loin, la côte est en face. Donc en principe, ça devrait sortir facilement. Est-ce qu'il y a de la tension dans l'équipage? On est stressé. C'est comme l'embouchure du fleuve au bouée, que c'est pas n'importe quoi. 4 mètres. Ça va faire la babor. En fait, c'est la prolongation de la pointe. Je pense que ce drone est pas mal. Ouais, c'est ça, il faut passer entre les deux. 4 mètres, on est en train de passer une barre en fait. C'est ça, c'est bien. C'est 9 mètres de fond. On a eu un minimum de 2,80 m, 3 mètres, mais on a passé sans problème. On a mis les cannes à pêche. Et maintenant, le commandant suprême est en train de mettre la voile. Allez. On va essayer d'avancer à la voile vers Port-Gentil. Le Cap Lopez, c'est à 19,4 nautiques d'ici. On va pouvoir abattre les 90 degrés et la voile va bien porter. C'est bien le carbone moteur. Oui, c'est bien. Parce que ça dit tout. 6-4, mais ça va bien. Barracuda qui arrive. Coucou les cocos. La côte gabonaise. Ah, ça c'est mangeable. Oh, ça c'est un bon poisson, Brice. Voilà, voilà, on passe une autre plateforme qui s'appelle ANE. Et on continue à avancer tranquillement. On s'en rapproche du Cap Lopez. Ce bateau avance très bien. 7-2, 7-2-5. Amis et les enfants, ça. Bon, les phares du Cap Lopez, on est là, on va passer les caps et après on revient vers l'arrière, vers Port-Gentil ici. On a fait tout ça. Voilà, on arrive au phare du Cap Lopez. Les Cap Lopez doublés.